Ça vous dit de transformer un rouleau de PQ en un objet unique? Remplissez un bol de colle et un autre de pompons colorés. Là, c'est le meilleur moment. Pressez légèrement les pompons sur le rouleau. On n'a plus besoin des pompons maintenant. C'est joli! Et ça fait un super pot à crayons. Prête pour l'école, chérie? Il faut juste que je fasse mon sac. J'ai besoin de ce livre. Très bon choix. Et de celui-ci. Okay. D'accord. Oh, au secours! Eva, qu'est-ce que tu fabriques? C'est juste une blague, papa. Détends-toi. Bien, je crois qu'on a tout. Allons-y. Hein? Oh non! Regardez-moi ça! Mince! Comment on va faire, papa? Bonne question. Mais j'ai ma petite idée. Il est l'heure d'aller en cours. Je peux porter mes affaires toute seule, tu sais. Hé, attends-moi! C'est tellement gênant! Fais comme si on ne se connaissait pas, d'accord? Hé, où sont les élèves populaires? Je pourrais rester avec eux. Non, tu n'entres pas. Ce sont les toilettes des filles. Oups, ça aurait été embarrassant. Je vais t'attendre ici. Il est parti? J'étais sûre que ça marcherait. Je suis enfin libérée de mon père. Je vais quand même garder l'œil ouvert. Je crois que c'est bon. Oh! Prête pour le prochain cours? J'adore les sciences. S'il te plaît, n'y va pas. C'est génial. J'ai l'impression de rajeunir. Comment tu t'en sors? Ça va, merci. C'est pas la bonne réponse. Papa, laisse-moi faire. Ça, c'est ma fille. C'est pas vrai. Arrête un peu. Quelle journée. J'arrive pas à croire qu'il ait osé me faire ça. Je suis toute tendue. Au moins, ce pop-it m'aide à me détendre. Une seconde. Je sais quoi faire. J'applique de la colle sur le bord du pop-it. Voilà, comme ça. Je prends mon temps. Maintenant, j'ai besoin d'une fermeture éclair. Je la mets sur la colle. Je prends un deuxième pop-it. Et sur celui-ci, je mets de la colle au milieu. Comme ça, je peux coller un papillon dessus. Papa, regarde mon nouveau sac à dos! Waouh, il est magnifique et plein de couleurs! On va mettre tes livres de classe dedans. Il est bien mieux que l'ancien. Passe une bonne journée, chérie. Merci, papa. À plus tard. Salut, les gars. Vous avez vu mon sac? Joli sac, Eva. C'est trop rigolo. C'est le sac le plus cool du monde. On n'est jamais trop prudent. Il y a toujours des petits curieux qui traînent. Surtout quand on s'y attend le moins. Ils ne montraient quand même pas là-haut. Personne en vue. Et la prof est occupée. À nous. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Par ici. Regardez comme ils sont beaux. Je sens que je vais me régaler. C'est ce que tu crois. David, qu'est-ce que je t'ai dit? Pas de nourriture en classe. Je suis vraiment en colère. Oh! Je suis désolée, je ne recommencerai pas. Tu dis ça à chaque fois. Oh, je n'en peux plus. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tiens, prends ça. Merci. Pas de quoi, mon pote. Ah, ça y est. J'ai saisi. Je dois faire vite. Votre attention, ceci est très important. Hein? Cette feuille est collée à ma main. Que se passe-t-il? Ça lui apprendra. Je sens qu'on va se marrer. Reviens ici. Hé, c'est quoi ton problème? Mange-le. D'accord, je vois. C'est pas de la colle, mais des bonbons. Commencez par retirer la colle du bâtonnet. Assurez-vous que le tube soit propre. Personne n'aime les bonbons qui collent. Puis empilez les bonbons les uns sur les autres et enfoncez le tube dedans. Ça fera un bâtonnet de bonbons. C'est pile ce qu'il me faut. Miam, c'est trop bon. Je savais que ça te plairait. J'ai de la chance d'être assis à côté de toi. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je colle juste ma feuille. Voici vos résultats d'examen. Oula, ça sent pas bon. Qu'est-ce qu'il se passe? Je sais pas, mais je le sens pas. Vous avez réussi! À plus! Vous vous rendez compte? Wouhou! Top là! J'étais certain que vous y parviendrez. Je suis très fière de vous deux. Beau travail! Je suis tellement contente. Je vais l'encadrer. Vous avez travaillé si dur. Vous méritez bien une récompense. Que dites-vous d'une pizza?
Quoi? Elle est déjà là? Bravo pour la rapidité de la livraison, jeune homme. J'attends toujours que tu me la règles, mon pote. Oh, évidemment. Je vais prendre mon portefeuille. Qu'est-ce que... On dirait qu'il est percé. Oups, une seconde, je vous prie. C'est très embarrassant. Je crois que le compte y est. Tenez, bon appétit. Je crois que je suis bon pour en racheter un. C'était le meilleur portefeuille que j'ai eu de ma vie. Au moins, on va pouvoir se régaler de pizza. Merci. Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais avoir un moment seul, afin de me remémorer le bon vieux temps avec mon portefeuille. Je ne peux plus attendre. David, arrête! Aïe, ça fait mal! Il faut qu'on l'aide! Bon, eh bien, c'est la vie. On doit pouvoir faire quelque chose. Je sais, je vais me servir de ces feuilles. Pliez une feuille de papier en trois, pliez la partie de gauche et mettez de la colle sur toute la longueur. Appuyez dessus pour faire tenir la colle, puis ajoutez un peu de colle en haut. Assurez-vous que tout soit bien collé et marquez le pli en bas. Ensuite, répétez le processus plusieurs fois. Collez le tout à un morceau de papier mousse et voilà un portefeuille. Ensuite, vous pouvez le décorer. Moi, j'ai fait une licorne. Qu'est-ce que tu en dis? Je vais le lancer sur son bureau. Hein? D'où vient cet objet? Tiens, c'est marrant, j'avais jamais vu le plafond avant. C'est vous qui avez fait ça? Laissez-moi voir. Waouh! Incroyable, toutes ces poches! Vous êtes adorables, les enfants! Merci! Ravie que ça vous plaise! J'ai hâte de l'essayer! Je l'adore! Je peux même y ranger mes fournitures! C'est génial! Je crois que j'ai un nouveau portefeuille préféré. Ce n'est pas pour rien que c'est ma classe préférée. Venez manger! Mon dessin est magnifique. Ça, c'est un bel escargot. Cette couleur lui va parfaitement. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à mon crayon? Je n'ai plus de mine. Je peux plus m'en servir. Et tous les autres sont dans le même état. Il faut que je les taille. C'est pas si mal, finalement. Je vais pouvoir finir de colorier mon escargot. Encore un petit peu. Je taille les autres crayons. Je vais en avoir besoin. C'est marrant, je trouve. Je pourrais faire ça toute la journée. Ouais, encore, encore! Oups, je crois que je me suis un peu emballée. Ouais, on dirait en effet. Je vais aller jeter tout ça. Doucement, il ne faut pas que ça tombe. Mais non, elle n'a pas fait ça! Si? Oh, tu comptes aller à la fête? Attention! Non! Qu'est-ce que t'as fait? Oh, c'est vraiment pas cool! David! Oups! T'en as encore un peu. Je vais y aller. J'en reviens pas que t'aies fait ça. Je te rappelle. Bon, c'est l'heure du déjeuner. Il me manque mon soda. Oh, il y a des pelures de crayon partout. Quoi? C'est une blague ou quoi? J'ai dit que j'étais désolée. Pose tes crayons! Je ne plaisante pas! Attends! J'ai une idée! J'ai besoin d'une canette vide et d'une perceuse. Je vais percer un petit trou dans la languette. Ensuite, j'ai besoin d'une feuille de papier de verre. Puis, je retire le haut de la canette. Et je prends un pistolet à colle. Ça devrait être bon! Je colle le taille-crayon dessus, puis je replace le haut de la canette. Il est temps de tailler des crayons! Toutes les pelures seront coincées à l'intérieur. Plus de bazar. C'est pour toi. C'est vrai. C'est adorable. Merci, David. J'ai encore des crayons à tailler. Et comme vous pouvez le voir, ceci est une plante. C'est une... C'est trop nul. M'en parle pas. À moi de jouer. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Admirez un peu... Incroyable, la carte bouge. Comment est-ce possible? Aucune idée, mec. Vous n'aimez pas les tours de magie, c'est ça? Ce n'est rien. Que diriez-vous d'un spectacle de marionnettes? Dites, ce professeur est vraiment cool! Toujours rien? Pas même un petit rire? Attention au décollage! C'est un bouton, ça? Quel public exigeant! Je fais de mon mieux, moi! J'ai trouvé! Tout le monde aime les ballons en forme d'animaux. Voici un adorable petit chien! Qui le veut? Laisse tomber, mec. Je suis à court d'idées. Une seconde. Il me reste une carte à jouer.
J'aurai besoin de ce surligneur et de quelques trombones. Je retire les bouchons des surligneurs et je retire la mine. Puis j'attrape un trombone. Je déplie la partie interne comme ceci. J'ajoute un point de colle à l'extrémité du trombone et je le colle au bouchon. Puis je remplis le surligneur d'eau à bulles, puis je trempe le trombone dedans. Attention, vous êtes prêts? Regardez, ceci devrait vous intéresser. Admirez toutes ces bulles! Ouais, ouais. Attendez. Quoi? Des bulles? Debout! Il faut que tu vois ça! Hé, hey, la télo, ouvre les yeux! J'étais sûre que ça marcherait. C'est mieux que les vieilles leçons barbantes. À vos surligneurs, c'est parti! Et voilà! C'est incroyable! J'adore ce cours! Non, j'ai dit que je voulais deux yachts et un avion. Au revoir. Coucou papa! Oh! Oh non! J'arrive ma chérie! Ah! Ah! Je te tiens. Ouf, c'était moins une. Est-ce que ça va? Je viens de voir ma vie défiler devant mes yeux. Je me fiche qu'il soit au beau milieu d'une opération. Passez-le-moi tout de suite, je veux parler à un médecin. Ma fille adorée vient de subir un traumatisme violent. Il faut qu'elle voie un médecin d'urgence. Je me rends compte à quel point la vie est précieuse. Vous avez demandé un médecin? Wow, c'était rapide. Je vous en prie, aidez ma fille. Je m'en occupe. J'espère que je vais aller mieux. Installez-vous confortablement. Tenez ça. Ça devrait faire baisser la température. Est-ce qu'elle va s'en sortir? J'ai peur pour elle. Ne t'approche pas de la lumière, d'accord, mon cœur? Oui, papa. J'adore tricoter, c'est tellement relaxant. Maman, je me suis fait mal en tombant. Je suis sûre que ce n'est rien. Fais voir. Oh, waouh! Il faut qu'on soigne ça. Ça tombe bien. Il me reste des légumes au congélateur. Allonge-toi. C'est un peu froid, mais ça devrait aller. Un peu de patience. Pendant ce temps, je vais terminer mon tricot. C'est bien plus difficile que ça en a l'air. Bon, fais-moi voir ce bleu. Et voilà, il est parti. Ça a fonctionné à merveille. En plus, ça a décongelé le repas de ce soir. Impeccable. J'espère que tu as faim. C'est déjà l'heure du dodo? Oui, c'est l'heure de dormir. La couverture pour avoir bien chaud. Et voilà. Fais de beaux rêves. Je n'ai pas envie de dormir. J'ai préféré jouer. Ah, c'est l'heure de se détendre. J'espère qu'il passe un bon film ce soir. Maman ne va même pas remarquer. Bizarre, pourquoi la télécommande ne marche pas? Où sont passées les piles? C'est étrange. C'est trop marrant. C'est mieux que de dormir. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Je parie que cette petite cache quelque chose. Tout doucement, attention. Tout doucement. Je croyais t'avoir dit qu'il était l'heure de dormir. Ah! Quelle horreur! Elle est tombée dans le panneau. Oh, mon pauvre bébé. Attends une minute. C'était trop marrant. Au lit, jeune fille. Et donne-moi cette console. Je récupère les piles. Il faut dormir maintenant. Ce n'est plus l'heure de faire des bêtises. C'était juste une blague. Bon, je vais peut-être pouvoir regarder la télé maintenant. Voyons voir ce qu'il y a. Ouh, ça a l'air bien. Quel suspense! Oh! Je ne peux pas m'empêcher de regarder. Oh, waouh! Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh! Ouf, ce n'est qu'un ballon. Mais comment c'est arrivé là, ça? Ouh, ça me donne la chair de poule. Je parie que c'est encore une de ces farces. Ah! Je t'ai eu! Je vais finir par faire des cauchemars! Je ne pensais pas que ça allait marcher! Viens par là. On va regarder quelque chose de sympa ensemble. Quelque chose qui ne fait pas peur. Bonne nuit, ma princesse! Rêve de belles licornes et de jolis billets. Allez, il est l'heure de faire dodo. Bonne nuit, papa! Je fais juste une petite partie. Oh? Qu'est-ce que ce bruit? Oups! Non, ma puce, ce n'est pas l'heure, voyons. Donne-moi ce téléphone. Bonne nuit! Les autres aussi. Bon, d'accord. Je pensais que tu ne remarquerais pas.
Moi aussi, j'ai été jeune. Je connais tous ces tours. Ce n'est pas juste. Tiens, je me demande bien ce que ça fait. Vous m'avez appelé? Je suis votre humble serviteur. Oh, voilà pour vous, c'est pour le dérangement. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Tout va bien, chérie? C'est pas ce que tu crois. Je peux t'expliquer. Je t'avais prévenu. Oh! Ah! Au secours! Oui, ça doit faire mal. Bien fait pour lui. Le beau prince sauva la princesse et ils vécurent heureux pour toujours. Oh, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Salut, maman! Comment s'est passée l'école? Tu as passé une bonne journée? Tu m'as tellement manqué aujourd'hui. Oh, waouh! Il y a plein de gâteaux! Il y a quelque chose qui te ferait plaisir? J'ai toutes sortes de gâteaux. Maman, je peux avoir un gâteau, s'il te plaît? C'est vrai qu'ils ont l'air bons. Ils sont délicieux. Vous allez adorer. Approchez, ma chère. Pensez à votre petite chérie. C'est tout ce que j'ai. C'est tout? Désolée. Eh bien, ce n'est pas assez. S'il vous plaît, madame! Comment dire non à une si jolie frimousse? Gardez votre argent. Tiens, voilà pour toi. Regarde, maman! Oh, non! Je suis désolée, ma chérie. Papa! Oh, salut! Je peux peut-être vous aider. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Une molette? Vraiment? D'accord, j'avais bien joué le jeu. Nom d'une profiterole. Je suis riche! Prenez ce que vous voulez, moi je prends des vacances. Ah, qui a envie d'une glace? Tenez, servez-vous. Regarde ma princesse, maman. Elle est très belle, chérie. Je m'ennuie maintenant. Je vais jouer avec ces nounours plutôt. Ah, j'en ai marre aussi. Vroom, vroom. Ah, je veux de nouveau jouer. Qu'est-ce qui se passe? Chut, maman n'aime pas quand il y a trop de bruit. Tu n'as pas un bouton pour qu'on puisse t'éteindre? Bon, d'accord, prends les clés de voiture. Allez, vas-y. Je me disais bien que ça allait marcher. On va rigoler! Waouh! Elle brille de mille feux! Et elle est toute à moi! Je n'ai même pas le permis! Accrochez-vous, ça va décoller! La sécurité avant tout! C'est parti! Vroom! Waouh, je suis la meilleure conductrice qui existe! Tutut, poussez-vous! Tutut! Waouh! Salut! Regarde ma voiture! Elle est incroyable! Ça va, ma chérie? Oh, d'accord, j'ai compris. C'est une bien jolie voiture. J'aimerais trop avoir la même. Si seulement je pouvais faire quelque chose. Hein? C'est quoi, ça? C'est une voiture miniature? C'est mon jour de chance! Je vais la donner à Annie. Mais il faut qu'elle puisse la faire rouler quelque part. Je sais! Pose un t-shirt blanc sur une surface plane. À l'aide d'un feutre noir, dessine une courbe. Continue jusqu'au bas du t-shirt. Dessine une deuxième courbe pour faire une route. Ensuite, dessine le marquage au sol. Quand c'est fait, colorie la route. Attention à bien éviter les marquages au sol. À la fin, tu devrais obtenir quelque chose comme ça. Attention, chauffez vos moteurs. Salut Annie, j'ai quelque chose pour toi. Et ce n'est pas tout. Mais non, une route! C'est génial! Vroom, vroom! Ça me fait un mini-massage. C'est trop bien, maman! C'est la voiture la plus rapide du monde! Regarde-moi ça! Hein? Oups! Ne t'inquiète pas, chérie, j'ai juste un peu mal au dos. C'est trop gênant. Oups! C'est déjà l'heure de se lever? Debout, madame. Pardon pour les fleurs. Bon, qu'est-ce que vous voulez mettre? Je sais pas. Rien de tout ça. Très bien, madame. Ça, c'est joli. Non! Oh, c'est brillant. Non, je n'aime pas. Peut-être en restant plus simple? Non!
Je vais changer de métier. Je reviens, madame. Wow! Je vais avoir des bleus. Tous les vêtements qui existent dans cette maison sont là. Non! Vraiment? Attendez. On peut peut-être se servir de ce casque de réalité virtuelle. J'aurais dû y penser plus tôt. J'ai pas envie de jouer. Mettez-le. Qui a éteint la lumière? Attendez. Oh, c'est joli! Enfin... je n'aime pas. Le contraire m'aurait étonnée. Oh, c'est mignon! Je ressemble à quoi? Très beau! Merci, vous pouvez y aller maintenant. J'ai besoin de sommeil. Quoi? Vous vous moquez de moi? Je hais ce coq! Oh, qu'est-ce que je suis fatiguée! Bon, je ferais mieux de me lever. C'est quoi cette odeur? C'est horrible! Oh, c'est moi! Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? C'est tout? Je n'ai que ça? Un t-shirt? Et en plus, il est troué! Il faut que j'enfile quelque chose. Bon, je n'ai pas d'autre choix. C'est trop injuste! Si seulement je pouvais avoir une garde-robe toute neuve! C'est quoi, ça? Hé, j'avais oublié ce jeu! Je peux peut-être m'en servir pour me trouver une nouvelle tenue. Excellente idée! C'est mignon, ça! Ça, un peu plus décontracté. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, le rouge me va bien! Dommage que je n'ai aucun de ces vêtements. Je n'ai que ce vieux t-shirt. Bon, c'est marrant quand même. Waouh! Incroyable, maman, regarde! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oui, ce jus est trop bon! Oh, c'est vide! Il faut que j'aille en chercher un autre. On y va, maman? D'accord, mais vite! Oh, que c'est bon de pouvoir se poser et se détendre. Il ne reste vraiment plus une goutte. Je l'aurais bien goûté. Ne t'inquiète pas, chérie. J'ai peut-être quelque chose pour toi. J'ai de l'eau. C'est nul, l'eau. Oh, d'accord. Je sais. J'ai du sirop de fraise. Je vais en verser un peu dans ma bouteille d'eau. Il ne faut pas qu'Annie voie ce que je fais. Ça devrait être bon comme ça. Maman, qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de jus. Oh, j'aurais essayé. La vie est si cruelle. Attends, je crois savoir quoi faire. Je peux prendre cette brique de jus. Je vais la couper en deux. Et je vais mettre l'eau à l'intérieur. Annie ne se rendra compte de rien. Pas mal, ça fait illusion. Annie, c'est pour toi. C'est vrai? C'est trop bon! Merci, maman! Avec plaisir, chérie. Tout a l'air en ordre. Je n'y crois pas. Salut, les garçons! Poussez-vous, monsieur! Oh, c'est si gentil! Fermez la bouche, les garçons. Merci, mon chou! Elle est magnifique! Je dois entrer là-dedans. Où est-ce que tu crois aller? On est complet. Quoi? Mais j'étais sur le point d'entrer. J'adore cette chanson. Mais danser me donne faim. Heureusement, j'ai un encas. Pour embourrer un soutien-gorge avec de la nourriture, il faut d'abord gonfler un ballon. Puis verser dessus du chocolat blanc fondu. Recouvrir la partie supérieure du ballon et laisser refroidir le chocolat. Ensuite, verser du chocolat au lait. Recouvrir encore une fois la partie supérieure du ballon et laisser refroidir. Une fois terminé, il suffit de retourner le ballon et de le percer. Un délicieux bol en chocolat. Attention à ne pas porter du blanc. C'était une super idée. Oh non, personne ne doit me voir. Et vous vous souvenez de moi? Oh salut. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai faim, moi. Tu veux bien aller me chercher à boire? Tu serais un ange. Phew, c'était moins une. Enfin! C'est tellement bon! Je ne peux pas m'arrêter de manger. Me revoilà. Il y a quelque chose de différent chez toi. Merci pour le verre. Est-ce qu'elle... Oh. Encore une nuit tranquille. Halte! Tournez-vous, je dois vérifier votre sac.
c'est vraiment nécessaire? C'est moi qui pose les questions. Bien, bien, bien! C'est ce que je pensais. Pouvez-vous m'expliquer cela? Ce n'est pas mon sac. Salut! Ne me faites pas perdre mon temps. Vous avez de la nourriture? Non, pas moi! Qu'est-ce que... Quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Enfin! Bon, tout semble être en ordre. Vous pouvez entrer. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, zut! Il y a trop de choix. Je vais prendre des chips. Où est ma monnaie? Ça va être absolument génial! Ouf! Tout va bien, je l'ai. Mec, t'es bizarre. Hé, regarde un peu ça! Attends, c'est un vrai sachet de chips? Merci. C'est bon, hein? Ouais, allons danser. Je veux entrer. Pas de bonbons. Bien, tenez-moi ça. C'est trop nul. Salut. Sérieusement, je viens de dire pas de bonbons. C'est interdit. Oh, tant pis. Et voilà, content. Pourquoi est-ce que j'ai de la barbe à papa? Pour la dernière fois, pas de bonbons. Ce n'est pas à moi. Oh, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en sais? C'est pas juste. Je crois que j'ai une idée. Cette fourrure est incroyablement douce. Je peux entrer? Bien sûr, allez-y. Merci. Je suis entrée enfin et j'ai ma propre barbe à papa. Miam, délicieux et super fashion. C'est comme manger un nuage. Miam! Waouh! Il faut que je prenne une photo! Hein? Hé! Psst! Mec! Il faut que tu vois ça! Quoi? Ce n'est pas de la fourrure! Ça va barder! C'était vraiment une super idée! Miam! Bien tenté! Donnez-moi ça! Quoi? Ça? Je ne suis pas idiot. C'est difficile à mâcher. Et ça gratte la gorge. Est-ce que ça va? Ce n'est pas de la barbe à papa. Oups! Voilà, comme neuf. Bonne soirée! Burk! Aucune nourriture ne passe ses portes. Personne aux alentours. Regardez comme je danse bien. Oh, sois cool. Ça va? Laissez-moi jeter un coup d'œil. C'est quoi ça? Videz vos poches. Grenouille? Sérieusement? Non. Le soda, c'est bon. Pas la nourriture. C'est écrit là. Bon, les règles sont les règles. Je sais, maman. Je rentre bientôt. Oh, un soda! Hé, tu as laissé ça! J'ai une idée! On dirait que je vais pouvoir prendre mes nouilles, finalement. Prenez un verre vide et votre boîte de nouilles. Mettez la boîte de nouilles dans le verre. Puis, insérez une fourchette à la place de la paille. Je déchire! Hein? Je ne dansais pas. Je peux entrer maintenant. Je n'ai qu'un soda. Santé! Allez-y! Incroyable! Ça a marché! C'est parti pour un délicieux plat de nouilles! Je suis trop content! Ça sent les nouilles! Et si je me connectais? Faisons un essai! Quelle plateforme choisir? Ce monde virtuel est bien plus cool! Waouh! Cette ville est géniale! Et j'adore ces fringues! Yes! Cette robe est à moi! Et pas chère! Cool! Il me faut une auto qui va avec! Elle ne doit pas coûter si cher, n'est-ce pas? Ça
ça va. Oh, et que serait la vie sans un immense yacht? Yeah! Un cadeau? Encore plus d'argent! Yeah, baby! Youhou! Pfiou, je m'ennuie de cette journée! Je pourrais peut-être m'évader un peu. Hé, hey, cet endroit est génial! Je suis riche! Une seconde, ce n'est pas vraiment ce que j'avais imaginé. Ces murs sont tout sales. Voilà qui est mieux. Qu'est-ce qui aurait besoin d'un petit coup de chiffon? Faire la vaisselle est une certaine forme de méditation. Et quelqu'un doit bien la faire. Et voilà, je ne vais pas m'arrêter là. Oh, vous avez soif, mes jolies! Ça devrait suffire. Oh! C'est pour moi? Tâchons de ne pas tout dépenser d'un coup. Mince! Oui! Je suis trop forte! Et le coup final? J'y suis presque! Quoi? Une baisse de débit? Ce n'est pas le moment! Je peux peut-être arranger ça. Voyons! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Un appel! Oh oui! Allô? Allô? Vous pouvez réparer mon internet? Je pense que oui! Voilà! C'est revenu! La partie peut reprendre! Allô? Je suis encore là! Oui! Je finis toujours par gagner! Oh! Allons-y! Oh oui! Quoi? Pourquoi tu me fais ça? J'imagine que je dois attendre. C'est lent! Oh! Quelle heure est-il? 2%? Wouhou! Ah! Fausse alerte! Oh! Cet avatar est nul! Il n'y a aucun vêtement qui lui aille! Où est-il? Là! Allô? J'ai besoin de vous maintenant! Un petit souci de mode? Ah! Ok! Passez la monnaie! Maintenant, on peut travailler. Commençons par les accessoires. Hé, hey, laissez mes cheveux tranquilles. C'est pour mon avatar. Je ne sais pas à quoi vous pensiez en vous coiffant. Ah! Vous pouvez la fermer? Quelle grossièreté! Regardez, aidez-la, elle. Voyons voir ce que je peux faire. Ça devrait marcher. Voilà, c'est un poil osé. Peut-être trop? Elle a aussi besoin d'une arme. Ça ne va pas. Je sais. Voilà, c'est parfait. Oui, magnifique! J'imagine que vous voulez jouer. Qu'est-ce qu'il manque à cet avatar? Je n'ai pas beaucoup de choix. Lui aussi semble fatigué. J'ai besoin d'une pause. Hé! Hey, bonjour! Hein? Venez, s'il vous plaît! Moi? Voici mon problème! Il a besoin d'un petit coup de main! Vous avez vu son look? Oh, je vois! Le marteau est pas mal, non? Vous en dites quoi? Non! Donnez-lui une poêle! C'est plus puissant! Ouais! Bonne idée! Vous m'êtes d'une grande aide! Il va falloir y aller! Allez-y, comme ça! Ouais, je vais le battre! Je ne sais pas quelle chanson mettre. Oh non, mais ça ne va pas! Désolée, mais je ne sais vraiment pas quoi enfiler! Je n'en peux plus! C'est horrible! Soit c'est trop grand, soit c'est trop petit! Il n'y a rien qui me va!
j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose. Oh, j'ai peut-être une solution. Hé, attends! Hein? Je vais te montrer un truc. Tu vois ces épingles? Elles vont servir de passant. Il suffit de passer le lacet à l'intérieur comme ceci, puis de faire un petit nœud plus ou moins serré selon ce que tu préfères. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Oh, génial! Merci beaucoup! Il n'y a pas de quoi. Allez, je file! À plus tard! Oula! Il faut que je me prépare moi aussi! J'avais presque oublié! Oh non! C'est vrai, je n'ai plus de lacets! Bon, eh bien, tant pis. Je vais rester là et manger des chips. C'est aussi bien! Voilà pourquoi nous vous avons déniché des bricolages super utiles pour les cours. Quel est votre préféré? Dites-le-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci.